c'est tous des chorégraphes québécois. Ouais. C'est autour du thème de la solitude. Tout le monde est dans la même situation, avec les mêmes contraintes, et tout le monde crée avec ce sentiment d'anxiété et d'incertain un peu. L'isolement, c'est quand même un thème qu'il y a toujours en art. Mm-hmm. On va être porteur, parce que la réflexion sur le moment qu'on a eu ensemble, c'est une collaboration quand même, donc c'est la solitude partagée, en fait. Exact. On met tout ça ensemble, puis c'est l'émotion autour de la création, puis les restrictions autour de la création qui fait que tout est lié ensemble. Bonjour Marie-Pierre. Oh, j'entends pas le son. Non, moi, mais normalement, ça irait. Mais... Voilà. Voilà. C'est moi. Me disais, c'est pas moi. Le langage des signes, je l'ai pas appris. Ça fait plaisir qu'on se rencontre comme ça, à défaut de se rencontrer pour vrai. Alors, ce dont on t'a informé, j'imagine, c'est que c'est... on va te demander d'écrire pour l'alto. Oui, oui, c'est parfait, c'est extraordinaire. Est-ce que tu avais déjà écrit pour de la danse ou comment tu voyais ça, le mouvement? Non, j'ai jamais écrit pour la danse non plus, donc c'est une première. Je suis vraiment très excitée. La machine de création, la machine d'inspiration, l'imagination, elle est en route là, depuis trois jours, là, trois, quatre jours. Puis j'ai hâte aussi de rencontrer la danseuse pour pouvoir m'inspirer aussi, de voir un petit peu justement comment... le mouvement se place dans l'espace, parce que c'est très personnel aussi, là. Thank you so much for being here. And I'm very, very excited about it. Yeah, and I mean, how have you been in the last little while? I mean, you know, what were you doing when all of this COVID thing started becoming an issue? I just had a really... intense year. I choreographed over 35 works. What? So it was a really prolific time. The other thing was that I had a partial knee replacement, so I was still recovering from that. Oh, and my mama died at 90, a few days shy of her 98th birthday. Hmm. So we still have yet to bury her. That's now, I hear, as of 24 hours ago, going to happen. I'm so sorry. Thank you. Est-ce que ça vous manque le contact, j'imagine, en tant que danseuse? Oui, c'est dur pour le système nerveux qui aime beaucoup de sensibiliser. Et même quand je suis en scène, c'est comme en scène dans mon bubble. Danser, je vois beaucoup justement de liberté, de fluidité aussi, de lyrisme aussi, la tête qui est libre, les cheveux, le haut du corps, les bras. Donc pour moi, ça m'inspire beaucoup. Et ça va être pour alto, solo. Hein? C'est l'altiste soliste de l'Orchestre métropolitain, une superbe altiste qui a justement aussi qui a beaucoup de lyrisme dans son jeu. It's all just in falling. So I'm not actually falling through the floor, but it's all just this kind of. Je me pose des questions sur une certaine trame narrative. Qu'est-ce qui se passe au niveau formel, disons? À ce moment, il y a deux petites idées. Les deux sont par des femmes de Jung, Jungian therapist, Frances Vaughan. Ça, c'est « Love completely in the face of imperfection ». Et l'autre, c'est Ellen Lucas, and hers is « On a une responsabilité, un duty à la joie ». We have a duty to remember the beauty that we've been given and the abundance that is here. Totalement. C'est un peu bouddhiste, je pense. Mais c'est dans l'action aussi, dans le mouvement. C'est pas seulement dans le recevoir, mais il y a une forme d'action aussi.
d'agir. Oui. Ah, c'est bien, ça me donne beaucoup d'idées. J'aime cette idée que si on est dans une situation qui est difficile, qu'on n'est pas en train de rester dans cette situation, on dépasse cette situation.